Bon matin, j'espère que ça va bien. Moi, ça va bien. Là, il est 9h15. Je viens de faire le montage du vlog de hier et avant-hier. J'avais combiné les deux jours ensemble. Bon, Zoé, ça m'a parlé quand je parle. Qu'est-ce qu'il y a, mon bébé? Fait que c'est ça, là. Je viens de déjeuner. Puis, aujourd'hui, j'ai beaucoup de commis à faire. Ce matin, j'ai dégonflé mes pneus, mais ça n'a rien changé. Fait que je vais retourner à soir. C'est ça. Fait que j'ai dégonflé mes pneus. Là, faut que j'aille chercher. Faut que j'aille à la librairie, en fait. Faut que j'aille au Canadian Tire acheter la bouffe de mes chats parce que c'est juste là qu'ils la vendent. Il faut que j'aille à l'épicerie acheter du lait. Puis peut-être des collations pour les gars, là. Moi, checker. Je sens que j'avais autre chose à faire. Non, je pense que c'est ça. Puis j'ai commandé le cadeau à mon frère. Fait qu'il va le recevoir vendredi. Je peux vous montrer là, ce que j'ai commandé. Si jamais vous aussi, là, vous connaissez quelqu'un peut-être qui part en appartement ou de quoi de genre, là, bon, c'est sûr que c'est sur Amazon. C'est pas tout le monde qui a un compte Amazon. Mais je trouve ça. Moi, en tout cas, ça me coûte comme 10 $ par mois. Avant, c'était juste. Avant, tu payais ça comme une fois par année. Puis c'était comme 90 $ de quoi de genre. Techniquement, ça coûte plus cher maintenant. Ça revient plus cher de même, ça revient comme à 120 $ par année. Oh, un instant. Bon, excusez, c'est parce que j'ai prêté mon compte Amazon à mon beau-frère pour qu'il écoute ses séries, parce qu'on a Amazon Prime, fait qu'il y a comme Prime Vidéo là, qui font des séries télé puis tout. Fait que là, il fallait que j'aille approuver quelque chose dans mes courriels, là. Sinon, ils sont comme, il y a trop de trucs, tu sais. C'est genre. Il y a trop de monde qui se sont connectés puis tout. Fait qu'en tout cas, je vais vous montrer ce que j'ai commandé. Premièrement, j'y ai pris ce kit-là d'ustensiles. Fait que t'as 15 ustensiles de cuisine en silicone. Puis c'est 30,99 $. Ils les avaient dans d'autres couleurs, là, comme de même. Ben tu vois, ceux-là, je l'avais pas vu. Il me semble qu'il était pas là. Ou celui-là. Mais tu sais, comme mettons, moi c'est gris. Noir, il est 32. Puis en couleur, il est 29. Mais tu sais, je pense que mon frère déménage en coloc avec un de ses amis. Là, fait que rendu là, genre, j'ai juste commandé normal en gris. Fait que c'est ça, 30 $. Puis l'autre affaire que j'ai commandé, c'est ça ici. Fait que c'est un kit de 24 ustensiles. Fait que dans le fond, t'as des ustensiles pour 6 personnes dans le fond. Fait que ils ont l'air vraiment bien. Fait que peut-être y aller à l'autre dolo là, s'acheter ça puis tout, mais c'est comme ça le rendu là, c'était combien ça? 37,99 $. Fait que c'est comme de la genre de, je pense ça va être vraiment la meilleure qualité. Puis sinon si je payais 55, je les avais en or. Mais comme je vous dis, c'est mon frère puis un de ses amis. Fait qu'on va s'en tenir au argent bien régulier. Fait que c'était mon cadeau. Fait que c'est les choses qui manquaient là. T'sais, qui coûtait pas une fortune, parce qu'en même temps, t'sais, je veux dire, c'est quand même pas moi qui porte, comme là, il manque laveuse sécheuse, j'étais pas pour y acheter des laveuses sécheuses, t'sais. Fait que c'est ça. Ça va être à lui de s'acheter ça, mais au moins je l'ai aidé pour ça. Fait qu'en tout, ça m'a coûté comme 70 $. Fait que j'ai fait ma part. Donc voilà, fait qu'il va le recevoir chez ma mère, là, vendredi. Puis voilà. Fait que hier, on a changé la chambre à Zach, je vais aller vous la montrer tantôt. On a changé la base de lit, puis on a bougé la disposition des meubles. Puis il aime bien ça, il est bien content. Puis là, on prévoit peut-être de peinturer, mais c'est pas certain encore là. C'est du tapis à terre, puis tout là, on sait pas trop qu'est-ce qu'on va faire avec ça. Puis qu'on sait qu'on est ici encore au moins 2 ans, là. Comme je vous dis, si on achète une maison, c'est genre dans 2 ans. Fait que tu sais, c'est pas l'été prochain, l'autre d'après. Fait que rendu là, au début, ouais, j'ai une grosse couette là. Au début, on s'était dit comme, ah, tu sais, on fera plus rien parce qu'on va partir, puis tout. Puis finalement, ben, vu qu'on reste encore au moins 2 ans, ben, c'est ça. On s'est dit qu'on allait en profiter, puis, tu sais, faire vraiment des chambres aux enfants, puis tout, même si, tu sais, ça fait 2 ans qu'on habite ici. Mais voilà, fait que, on va partir bientôt, là, la librairie rouvre à 10 h. Mais en attendant, là, je peux aller au Canadian Tire, puis. À l'épicerie. Fait que je pense que c'est ça qu'on va partir faire. Puis j'espère juste que tout. Cassé, tu fais l'eau. J'espère juste que
ça va se placer pour mes pneus. Là. Je suis tellement tannée. Là. En même temps, je sais que c'est rien, mais en même temps, ça me gosse. D'un coup, que ce soit vraiment quelque chose. Mais regarde. Donc, moi, j'ai été rajouté de l'air dedans. Fait que même si c'est pas de l'air, il y a déjà plus d'air qu'à matin. Fait que. Oui. Fait que là, j'allais remettre Zoé dans sa cage. Puis, on s'en va faire nos commis. Salut, il est déjà rendu midi et 8. On vient de revenir d'aller faire toutes nos affaires. Fait que là, tout est fait. Je suis libérée. Fait que je suis allée à la banque retirer les sous pour les frais d'école. Je suis allée mettre de l'essence. On est allé, là, je vais tout vous montrer ce que j'ai acheté. On est allé au Walmart, au Canadian Tire, à la librairie. Puis c'est pas mal tout. Fait que c'est pas mal ça qu'on a fait. Donc, premièrement, à la librairie, j'ai pris les livres à Zach. Fait qu'il y a Tam Tam mathématiques pour troisième année. Puis New Adventure grade 3 pour l'anglais. C'est les deux seuls livres que j'avais besoin d'acheter. Après ça, au de l'eau, j'ai juste pris des collations pour les gars, là, parce qu'ils n'ont plus rien. Fait que juste pour aujourd'hui, puis demain, même pas demain, peut-être demain, je fais l'épicerie, mais juste pour aujourd'hui, puis en même temps, ça va m'en faire moins à acheter. Fait que j'ai acheté au de l'eau des Wagon Wheels. Je pense qu'il y a juste ça au de l'eau. J'ai pris ça, puis je leur ai pris des genres de petits biscuits Oreo. Comme je vous dis, c'est vraiment juste pour collationner, genre à soir. C'est juste qu'il n'y avait plus rien. Puis j'ai racheté du savon à vaisselle. On a fini le nôtre. Puis ça dure une éternité le savon à vaisselle parce qu'on a un lave-vaisselle. Puis c'est comme on lave genre la. Nous autres, on met tous nos poils puis tout dans la vaisselle. On n'a pas de problème avec ça. Fait que c'est vraiment juste comme l'aquarium de la tortue, des trucs comme ça qu'on lave avec ça. Là. Fait que voilà. Je vais garder la pièce de résistance pour la fin. Je vais vous montrer le reste. Fait que ça, c'est chez Walmart. C'est vraiment pas grand chose, mais. J'ai acheté des bas à Zach, because l'école recommence, puis il n'y a jamais de bas. Fait que c'était 7$ pour 10 paires. J'ai aussi eu le droit de prendre des petits bas de Fortnite. Fait que c'est comme 3 paires de bas. Tu sais, genre, j'avais 10 paires de bas pour 5$, puis là, j'avais 3 paires de bas pour 6$. Mais en tout cas, il a pris des petits bas de Fortnite. Et en même temps, je suis allée, dans le fond, pour la chambre à Jackson. Je vous l'avais dit, je pense qu'on avait acheté une... On avait acheté une tête d'oreiller comme toute seule, mais il y en avait une dans le kit. Je le savais, mais je sais pas pourquoi on l'a acheté comme direct de même. Fait que, en tout cas, j'ai été la faire rembourser. Fait que dans le fond, les souliers, Zach a choisi ces souliers-là pour l'école parce qu'il y a ces souliers d'extérieur, mais il n'y avait pas de souliers d'intérieur. Puis oui, je prends les souliers du Walmart qui coûtent vraiment pas cher parce qu'ils scrapent tous ces souliers. C'est immanquable. Je dois y acheter 3 paires de souliers par année à peu près. 3 paires, pas parce qu'ils font plus, parce qu'ils sont scrap. Fait que je paye plus cher pour les souliers, ça sert à rien de payer 50$ pour une paire de souliers. Ils est scrap. Fait que c'est ça, c'est des souliers comme, sont comme bleus avec du orange dedans. C'est des souliers mous, là, comme ça. Puis ils étaient 10$. Fait que c'est comme s'ils étaient gratuits, un peu dans le sens, vu que ma tête d'oreiller me revenait comme 11 et quelque chose pour la tête d'oreiller. Fait que ça, c'était 10$. Fait que voilà. Fait que j'ai pris ça dans la grandeur 3. Et la pièce de résistance, vous allez me voir là-dedans, habillée comme ça. Jour et nuit dans tous les prochains vlogs. Fait que faites-vous l'idée. Je m'en allais à la caisse, genre, puis on a passé comme dans les vêtements, puis je suis tombée là-dessus. Puis là, j'ai stand deux, mais en même temps, genre, c'était immanquable que je prenne celui-là. C'était soit ça ou de Gryffondor, d'Harry Potter. Êtes-vous prêts? Ta-da-da! Mon, un beau comme de polar léger de Friends! Fait que pour ceux qui ne savaient pas, je pense que je l'ai dit, mais moi, puis Joe, on s'est tapé les 10 saisons de Friends en comme. Quoi? Un mois, je pense, on écoutait les 10 saisons de Friends. Fait que là, c'était d'augure que j'achète ce polar de Friends, qui est vraiment trop beau. Fait que il était 28,97. Et moi qui ne comprends pas que j'ai perdu du poids dans la vie, ben j'ai pris un 3X large quand même. Mais en même temps, ce que j'ai regardé le 2X, j'étais comme, oh, je sais pas, il va tomber comment. Puis je voulais pas qu'il soit genre serré. Mais il avait l'air fait grand, c'est vraiment un look oversize, tu sais. Mais là, c'est ça. Je me suis dit, je vais prendre le 3X, puis au pire, je vais juste être vraiment bien, puis il va être vraiment lousse. Puis mon but, en achetant ça, c'était de... Genre, regardez, il y a des petites lignes, puis il y a genre un F ici sur la manche, tellement beau. Fait que c'est ça. Mon but avec ça, c'était de porter ça avec mes sweet legs cet hiver. Parce que j'ai vraiment pas beaucoup de pantalons, mais j'ai beaucoup de sweet legs. Fait que, ben beaucoup. J'ai genre 5 paires de sweet legs. Puis je pense m'en recommander comme d'autres unis. Fait que je me suis dit, tu sais, même si mon sweet leg il est bleu, même s'il est jaune, même s'il est noir, même si, tu sais, ça peut vraiment faire beau avec plusieurs de mes sweet legs. Fait que c'est ce que je me suis dit, c'était mon but. Alors voilà. Donc je vais l'essayer même. Puis je vais vous montrer ça tantôt. Puis préparez-vous à me voir tous les jours de l'automne avec ça sur le dos.
Je sais que quand j'aime quelque chose en vie, moi je l'aime fois 1 500 000. Fait qu'il va falloir vous habituer. Bon, fait que j'ai déjà essayé mon polar, je pouvais pas m'empêcher. Mais je voulais vous montrer. Fait que dans le fond, c'est ça. Et comme ça, comme je vous dis, c'est un 3X large que j'ai pris, mais comme, regardez comment il est long. Il est vraiment long. J'essaie de vous montrer mieux que je peux. Mais comme il est ouvert sur le côté, comme ça, mais il est vraiment long. Fait qu'il va être tellement parfait avec des sweet legs, là. Ça va faire comme une genre de tunique dans le fond, là. Je suis tellement contente, mais comme une chance j'ai pris 3X parce que 2X je pense que je me serais sentie serrée. Mais là c'est juste que mes jeans aussi sont comme... Maman j'ai trop de cheveux. Mes jeans empêchent que ça tombe comme faux. J'ai trop de cheveux. Oh. Mais c'est ça, mes jeans empêchent qu'ils tombent bien. Mais ça, ça va tellement beau avec des sweet legs. Fait que je suis vraiment contente. Vraiment le 30$ là, pour ça. C'est... Puis moi je garde mes vêtements vraiment longtemps là, genre... Je suis sûre que, ben pas je suis sûre, je le sais que si vous allez voir comme mes vlogs de v'là 3 ans, là, quand j'ai commencé, ben ça fait bientôt 3 ans, mais ben, des vlogs de v'là 3 ans quand j'ai commencé, là, genre vous reconnaissez tous mes morceaux de vêtements et je les porte encore, genre je porte mon linge full longtemps, puis genre je m'en achète jamais, là. Genre il y a un moment donné, je sais où, plus v'là comme un an, peut-être pas l'été passé, l'autre d'avant, c'est ça? Ben pas l'été qui vient de passer. Pas l'autre, l'autre d'avant, ouais, c'est ça. Genre, l'été que je suis arrivée ici, dans le fond, là, je sais que je dépensais quand même pas tant, là, pour vrai, là, dans du linge. Je sais que je m'en achetais un petit peu plus régulièrement, mais depuis ce temps-là, je me suis quasiment rien acheté. Quasiment, je pense, je me suis rien acheté, en fait, trop. Fait que c'est ça. Fait que je vais vous montrer ça, mais que je le reporte un moment donné avec des sweet legs, là. Ça sert à rien que je réalise mes sweet legs juste pour vous montrer. Mais, écoute, en même temps, faudrait que j'aille. Ah, oh, c'est ça, je voulais aller faire. Je voulais aller m'acheter une teinture pour faire mon blond. Ma racine pour qu'elle pâlisse un peu. Je pense que ça va attendre un peu. Ça me tombe pas d'aller faire ça. Fait que maintenant, ça, faut que j'aille dans la douche. Fait que justement, je pense que ça va être le parfait moment. Parce que je vais me changer. Je vais mettre mes sweet legs. Ça va être super beau. Fait que voilà. Fait que là, je vais aller faire du ménage parce que j'ai rien fait depuis ce matin. Puis aller sortir ma petite Zoé de sa cage parce qu'elle doit s'ennuyer. Il est rendu 1h40. Je viens de me faire des petits œufs. J'avais faim. Puis j'ai juste déjeuné comme vraiment tôt ce matin. Fait que là, j'avais faim pour une petite collation. Oui! Fait que, ça, j'ai fait mon ménage. J'ai sorti à souper, j'avais oublié de sortir à souper. Fait que c'est sorti. Ça, c'est pour faire dans le four. Fait que, même si c'est encore un petit peu gelé, c'est pas si mal. C'est ça. Fait que là, je pensais peut-être aller chercher les gars encore à pied aujourd'hui. C'est vraiment nuageux, mais je vais regarder comme les risques de pourcent d'averse, dans le fond. Je vais checker comme. Les risques de pourcent, ça n'a aucun sens ce que je viens de dire. Comprenez? Tu sais, mettons, si ça dit qu'il y a 20% de chance qu'il pleuve, je vais y aller. Si ça dit 90% de chance, je n'irai pas à pied. En gros, c'est ça que je voulais dire. Parce que c'est ça. T'sais, avec mon polar, puis je pense qu'on va être bien dehors. Puis que cette fois-là, j'ai emmené la barouette, par exemple. C'est comme là, hier, je suis allée avec la poussette, mais comme ça a été vraiment plus rough avec Jackson. Pour elle, c'était vraiment pas super. C'est juste traverser les rues, là. C'est vraiment pas évident parce que là, il veut comme pas avancer ou quand même. Fait que ce que je ferais vraiment, c'est que je prendrais la barouette. Fait comme ça, je peux embarquer Laurent et Jackson dedans. Fait que, rendu, je les attache, puis je pars, là, tu sais, ça me prendra. Parce que dans le fond, ça nous a pris 20 minutes y aller, 40 minutes revenir hier. Just saying. Fait que, c'est ça. En gros, c'est juste ça que la différence, là, je ferais juste prendre la barouette à la place. J'emmènerais Zoé quand même en sac à dos. Puis ça fait du bien de sortir, mais c'est ça. Fait que. Je vais voir ce que la météo en dit, sinon on va pas mal sûr qu'on va y aller à pied. Fait que là, j'ai préparé la petite enveloppe pour mettre l'argent des frais scolaires à Zach. J'ai tout plié ses paires de bas. Il va falloir que je les mette dans son tiroir. Puis j'ai identifié ses souliers avec mes étiquettes colle à moi que j'ai commandé l'année passée. Puis j'ai été bonne pour toute l'année passée puis toute cette année. Pis il m'en reste encore, mais mettons j'en aurai pas assez pour l'année prochaine, genre. Fait que faudrait que je m'en recommande l'année prochaine. Mais peut-être pas un aussi gros paquet. Comme là, moi j'ai pris le... Comment? C'est-tu le économique qui appelle ça? En tout cas, c'est comme vraiment un paquet complet. Mais là, je risque de peut-être juste prendre pour les crayons, mettons. Parce que les autres, je devrais être correct. En tout cas, bref, c'est pas de suite. C'est dans un an, littéralement. Mais c'est ça, d'habitude, j'identifie jamais ces souliers, mais cette année, je sais pas pourquoi, je me suis dit, je vais les identifier d'un coup que. Tu sais, c'est jamais arrivé qu'on a perdu des souliers quand même, mais tu sais, quand il y a un nom, ça se ramasse aux objets perdus. Zachael est le seul Zachael de son école, là. Fait que, tu sais, il y aura pas d'affaire de genre, c'est William, ok, mais William qui, tu sais. Fait que c'est ça, c'est Zachael. Zachael, c'est le seul de son école.
puis ça va être simple si jamais il finit par les perdre. Fait que je vais manger mes petites affaires. Après, là, j'ai parti mon lave-vaisselle aussi. Puis, je vais peut-être me faire un petit café après. Ça pourrait être très, très bon. Fait que là-dessus, on se repart tantôt. J'ai rendu 6h30. Jay est parti faire une petite commis exact. J'ai oublié d'acheter du lait tantôt. Je voulais y aller, j'ai oublié. Fait que c'est ça. Fait qu'il est parti faire ça. Là, tantôt, Laurent s'endurait plus de vivre. Fait que je suis allée me promener en porte-bébé avec lui dehors. Ça a l'air d'avoir fait vraiment du bien. Il était chiolé en revenant. Mais quand même, là, t'sais, ça lui a fait du bien, là, je pense. Puis moi aussi, tu sais, j'allais prendre ma petite marche. Comme je vous disais, je voulais aller chercher les gars à pied. Finalement, il s'est mouillé avant que je parte. Fait que je suis pas allée à pied. Puis c'est ça, j'ai marché jusqu'à ma poste, au côté. Zoé! C'est ça, j'ai marché jusqu'à ma poste. J'ai cherché un bibisac pour mettre dans le fond de la cage à Zoé. Parce que comme je vous dis, j'utilise mes bipipades. Mais comme là, aujourd'hui, encore, j'ai oublié de laver mes bipipades. On dirait qu'à tous les fois, je vlog, c'est ça. Mais sinon, ça m'arrive jamais. Mais c'est ça, t'sais, au lieu de mettre. Regardez la hockey. Regardez. Hop hop! J'ai choisi, moi, qui ai gonflé. C'est ça. Oh, t'es mes oreilles. Fait que c'est ça, tu sais, tant qu'à les jeter, ben le papier journal, ça se composte. Fait que tant qu'à ça, je vais mettre du papier journal. Fait que je suis juste allée chercher un publicsac, comme je vous dis, à la poste. Puis voilà. Puis c'est ça que je parlais dans ma story Instagram. J'ai réalisé que quand en fond, je marche avec Laurent sur moi à porte-bébé, ben c'est comme si je marchais avec mon poids avant que je commence à être gâteau, genre. C'est fou, puis comme. C'est comme je reviens puis comme tu sais je me sens, tu sais pas que je me sens pas bien genre, mais tu sais parce qu'un porte-bébé c'est super ergonomique, fait que c'est peut-être pas que t'ailles mal, tu sais j'ai pas mal, je le trouvais pas lourd non plus, mais comme ça paraît comme là j'ai monté les marches, tu sais, pour rentrer dedans. J'étais comme oh, j'avais mal aux jambes là, puis j'étais comme aïe, avant je pesais ça moi-même genre. En tout cas, ça m'a vraiment fait réaliser là. Fait que c'est ça, parenthèse. Puis c'est ça, pendant que mes couches sont là parce que je les ai pliées hier soir. Puis je les ai même pas encore montées en haut, sérieux, je suis tellement lazy, ça a aucun sens. Je voulais vous montrer ma nouvelle couche que je vous ai dit que j'allais vous montrer. Fait que c'est de la compagnie Folie Plastique. Fait que le devant est comme ça et le derrière est comme ça. Fait que c'est une couche d'Harry Potter avec, c'est comme un, vraiment un petit dessin, le style bonhomme à lumette. Le fit est super bon sur Laurent, fait que je suis vraiment contente. Puis c'est ça, fait que... Oh! Je suis bien contente que ça fasse bien. Tu sais, quand tu connais pas une compagnie, c'est plate quand... Tu sais, je l'ai quand même... Je veux dire, je l'ai payé, là, tu sais. Je vais dire bye demain, parce que je vais vous montrer mon épicerie. Mais, c'est ça. Fait que là, ce soir, on va écouter Riverdale. Puis, je vais écouter des petites vidéos aussi, là. Puis, en faisant le ménage de la cuisine. Bon matin. Comme promis, je vous montre mon épicerie pour terminer le vlog. Gang de chanceuses. Fait que, des œufs. Ça a été une plus grosse épicerie, parce qu'il nous manquait plusieurs choses cette semaine. Des piments. Zach s'est pris des petits Lunchmates comme ça. Il était comme. C'était comme 2,50 si t'en achetais deux, dans le fond. C'était 2,50. Parce que ça tombe à 5$ en tout. J'ai pris des bombes keto à Jay, là, la boîte à 5$ pendant que je la scannais. Mais ouais, ça, j'ai vu au. Voyons, on va le dire. Au Maxi, qu'il y avait plusieurs sortes. Ça, c'est des bombes, mais il y a aussi des bars. Mais tu sais, comme mettons, d'habitude au Costco, t'as trois boîtes comme ça pour 20$. Puis là, c'était 11,99 pour une, là. Tu sais, c'est vraiment pas rentable, mais comme. Au moins, là, il va avoir ça au moins cette semaine. Sinon, je vais au Costco la semaine prochaine, au pire. Zach a pris des Timbits au chocolat. Des gaufres originales. J'ai pris, oh, pour les gars, des petites pâtes d'ours comme ça mélangées. Des lingettes humides, j'en avais plus. J'ai pris une mangue pour Zoé. Des. Bord tendre aux pêches comme ça. Un fromage cheddar doux pour Jérémy. On dirait que moi j'ai passé mon trip du fromage. On dirait que ça me tente comme plus d'en manger, mais à un moment donné ça va me revenir, je sais. J'ai acheté des petits chiffons réutilisables comme ça. Parce qu'on est en train de tout genre nettoyer nos surfaces tout avec des essuie-tout, là. Puis ça me gosse vraiment. Fait que moi ma grand-mère utilise ça, puis comme elle adore ça. Fait que c'est ça. C'était comme 3$ pour 10, là. Fait que. Je vais peut-être, si j'aime ça, je vais les racheter, là, parce que sérieux, c'est mieux que des essuie-tout, là. Tu sais, nous autres, c'est compostable, les essuie-tout, mais ça passe trop vite, là, puis ça coûte cher. Puis ça, c'est Zach qui a trouvé ça pour Jay. C'est des chipouches à mettre dans l'eau, mais genre Jelly Belly. Comme ça. À genre, à saveur baie d'azur, mais comme.
Je sais pas si ça goûte réellement le jelly bean, là. Je trouve ça vraiment drôle. Fait que, il fera le test rendu là. Hein? Parce que moi, j'haïsse ça, ces affaires-là. L'eau à saveur, c'est vraiment pas mon fort. Zach a pris des brownies, comme ça. Des saucisses italiennes, comme ça, que j'ai été à 30%. Fait que, on va souvent les manger ce soir, là. Je sais pas, il doit expirer genre aujourd'hui, là. Je sais pas trop. Le seul petit luxe que je me paye étant keto, parce que sinon je trouve ça dégueulasse. Du creamer, puis là il est en spécial, j'ai pris le Oreo, s'il n'y avait pas d'autre sorte. Mais c'est ça, là, c'est la seule affaire que je me permets, genre, en tant que keto, là, sérieux. C'est les cafés, juste crème sucre, ben crème érythritol en plus, j'aime pas ça, c'est comme gras. Il y a des creamers qui existent keto. Mais ils sont super chers, là. Je me dis, je vais payer super cher, mettons, pour que j'aime pas ça au final, pis que... Pis t'sais, genre, c'est comme un quart de cette bouteille-là, peut-être, pis c'est genre, quasiment, je pense que c'est genre 6 piastres chaque, pis ça, t'sais, c'est comme 3 et quelque chose. Enfin, en tout cas. De la sauce à salade Ranch, du lait 2% pour Zach et Jackson, et du lait 3,25 pour Laurent. Du café! Parce que toujours plus de café. Puis pour ça nous dure comme vraiment longtemps. Fait que on est chanceux. Puis en plus, cette semaine, il est en spécial. Tant mieux. Fait qu'il me reste juste un sac. Mais il y a vraiment des beaux rabais cette semaine. Mais ça m'a coûté même pas 150$ tout ça. Fait que sérieux, là. Un gros sac de pommes. Salade. Ah, oh, puis j'ai, je l'ai pas dit, mais j'ai un pain double aussi pour les gars ici. Avec l'école qui recommence la semaine prochaine en plus. Deux sacs de légumes congelés, ça nous sauve tellement la vie, là, des fois, là. Puis j'aime mieux ça que des salades à cette heure. Du poulet, des poitrines de poulet. Des cuisses de poulet aussi à 1,58. Même pas, tu sais, c'est juste comme, c'est en rabais. C'est pas genre passé date ou whatever, mais... 1,58, j'aurais dû en prendre plus. D'habitude, on fait ça quand c'est... Mettons, c'est Jérémy qui a fait l'épicerie, il en a racheté 10. Des bananes. Côtelettes de porc. Petite eau de... Des petites cuisses de poulet, là, dans le fond. C'est quand il y avait aussi des pilons de poulet. 6,60 aussi, pas trop, vraiment pas cher. Puis ça, là, je fais une genre de sauce avec ça, là, c'est vraiment bon. Et j'ai acheté de la litière pour mon chat, pour mes chats aussi. Je les sens en auto parce que c'est vraiment lourd, puis j'ai tout emmené ça en même temps. Puis du bacon, là je l'ai trouvé, il est moins cher que le normal que je prends d'habitude. Puis il est zéro glucide, tandis que l'autre il y a 1 g de glucides pour 2 tranches, puis il est à zéro. Fait que voilà, c'est mon épicerie. Fait que là je m'en vais ranger ça, ce qui est température sensible, au plus sacré. Puis c'est ça. Fait que là-dessus, moi je vous souhaite une belle journée. Une belle nuit, peu importe où vous êtes dans la journée. Puis nous, on va se revoir mardi pour le prochain vlog. Bye!